Et c'est bon, je vais bien aujourd'hui pour le chapitre 12 de Black Mesa Source. J'ai pas envie de le faire. Oh mon dieu, mais bon, faut que je me dépêche de le faire. Plus vite il sera fait, plus vite on pourra passer au chapitre 13. Le dernier épisode, je me rappelle même plus si c'était passé, ça fait 3 jours que je l'ai pas fait. Prendre la vie et continuons. On devrait se faire attaquer normalement. On va se faire attaquer partout. Alors, ici ou ailleurs, on va se faire attaquer partout. Donc non. Pas ce barrage. Voilà, j'ai réglé déjà ces problèmes-là. En plus, c'est des snipers, c'est plein. Voilà, toi tu meurs. Alors, mes chers amis, voici le barrage le plus chiant du monde. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un hélicoptère. Et qu'on n'a pas de quoi le détruire. Ça vous donne une idée un petit peu de la galère dans laquelle on est en train de se fourrer. Car en plus, on n'a pas de balles pour notre fusil laser. Je ne vois même plus comment il s'appelle. Ça va être compliqué. Il va falloir bourriner. Je m'en fous, je déploie tous les moyens. Je suis resté bloqué une demi-heure la dernière fois sur ce truc. Je reste pas bloqué encore une demi-heure. T'es sûr à propos de ça? Allez, 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 allez. Oh, cette séquence, vous pouvez pas savoir à quel point. On charge, on charge. Heureusement qu'il y a ce caillou. Non, je ne donnerai pas cher de ma peau. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Ok. On recharge tout. On bouge pas, on recharge tout. Je vais pas me faire voir. On recharge tout. Tac, tac. C'est bon, ça s'est rechargé. On sauvegarde. Comme ça, on est sûr de pas recommencer ça. On fonce, on fonce, on fonce. Et on va direct dans l'entrepôt. Alors par contre, là, cette séquence-là, je la connais par cœur. Je sais que voilà qu'il y a de quoi recharger mon fusil laser, mais pas beaucoup. Donc je vais garder les recharges. De quoi recharger de l'armure. Et il y a encore quelques balles, il me semble. Et après, c'est rush, les amis. On va tenter plusieurs techniques. Il est pas chargé. Ok, encore des trucs de laser. Alors, on refait une sauvegarde. Et mes amis, courez! Courez, courez, courez! Voilà. Ce n'est qu'un exemple. Ce qui va se passer à partir de maintenant dans ce monde cruel et celui du jeu vidéo. C'est parti. On court, on court, on court, on court, on court. On s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Voilà, on est déjà mort. Comme ça c'est fait. J'ai vraiment pas envie de rester bloqué ici, parce que ça va être vraiment très 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 compliqué sinon. Je sais que là je vais avoir beaucoup plus de facilité, mais encore je sens que je vais mourir encore quelques fois à ce niveau de difficulté. Tac 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 tac, courez, merde, c'est pas le bon chemin. À moins que... Faut que je remonte, vitesse. Il faut que je redescende. Oh merde. S'il te plaît, m'énerve pas toi. Voilà. Je sais pas où faut aller, je suis perdu. J'ai plus de vie. Je suis perdu, j'ai plus de vie. Et lui va me shooter si je fais rien.
Ok, j'ai vu où faut aller. Vite. Vite. Je tente un truc. Est-ce que je l'ai eu? Est-ce que ça l'a tué? YOLO! Allez, 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 allez! Où on va? Ah. Oh non! 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 Je suis Ellipse. Bon bah c'est reparti. C'est reparti là, donc on va éviter de gâcher les cartouches. Normalement je suis encore à 100. J'active ce truc. J'ai pas activé. Ok c'est parti. YOLO! Tac 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 tac. C'est parti. J'espère que ça va tenir. J'espère que ça va tenir. Ça va tenir. Merde. 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 Il est derrière nous. Ah non! Il nous a perdu de vue. Oh, trop bien. Mais mes amis, je pensais pas passer cette zone aussi facilement. Aussi facilement. Bon, je suis en mode facile, d'accord, mais quand même. Vous avez vu. À quel point cette zone est difficile. Et j'avais vraiment pas envie de rester une demi-heure ici. Ça n'aurait pas été intéressant ni pour vous ni pour moi. Donc c'est mieux comme ça, je dirais. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? On se fait attaquer par des crabes de tête de l'extérieur. Donc c'est-à-dire que les crabes commencent à remonter à la surface. C'est pas bon ça. C'est ce qu'on veut pas du tout ça, nous. On veut qu'ils restent sous terre. Avançons. Conduit, hein. Un chargement, c'est bien. On a enfin passé ce barrage. Je suis heureux. Je suis heureux, on a passé le barrage. C'est bien ça. Et là, normalement, plus, il me semble que dans ce chapitre-là, après le barrage, il est relativement sympathique comme chapitre. Parce que, vous verrez tout simplement. Il est assez sympathique, vous verrez. Bon, on veut des cailloux à la tronche, lui. Aucun respect. Cassons les caisses, cassons les caisses, cassons les caisses, cassons les caisses, une échelle ici. On va aller voir l'autre côté. On a un pistolet les mecs, cherchez pas. Donc là on est armé jusqu'aux dents. Il me semble qu'il y a encore 3 ou 4 armes à découvrir. Mais ce sera dans le prochain chapitre. Ou dans le dernier chapitre. Connard. Ah non, il me semble que le prochain chapitre, ça va être un chapitre tellement labyrinthe. Non, je sais plus, je crois que Lambda Core, donc le dernier chapitre de Black Mesa et le nom de Half-Life, est très long et très labyrinthique. Bah, on verra ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Du coup, on revient dans un truc un peu plus classique, là, et encore, là, on est à la surface, hein. Première fois qu'on reste autant de temps à la surface, donc écoutez, c'est sympathique. On découvre enfin les environnements extérieurs. Donc ça change des labos, et ça change surtout des endroits délabrés. Honnêtement, moi c'est mon deuxième environnement préféré après les labos. Il faut aller où là? Pas aller par là visiblement, on redescend. Peut-être par là, je sais pas. Ah, on entend du chien. Ah oui, sûrement par là. Oh, c'est... simple. Par là. Ah oui, d'accord, c'est par là. Il y a des chiens. Je me fais pas avoir.
Le nôtre. Notre chien. Non, il n'y a pas d'autre chien. Si, il y a un autre chien. Eh oh! Viens voir papa. Allez, ramenez-vous. Ah vache! Ils arrivent en meute en plus, ces connards. Je peux tomber. Excusez-moi. Tombe, tombe, tombe. Eh, eh, viens, reviens. Voilà. Pourquoi il m'a fui, lui? Je ne sais pas. Michel, ah, on peut pas la passer. Non, c'est dégueulasse. Mais prends tes mains et vire la toile. La, pff, la toile. Le truc de tôle, là. On a ici un canyon. Je doute que ce genre de choses puisse vraiment exister avec un laboratoire juste en dessous. D'un côté, c'est vachement isolé, hein. Ça rappelle franchement la zone 51. Tout ça. Monticule. Un zombie. Bonjour. Ça va? Tuons des zombies. Tuons des garçons. Il y a un chien. Il y avait un chien du moins. Ok, j'ai ouvert. J'ai ouvert la porte. En plus, il me semble qu'on a un boss dans ce chapitre. Hop. I'm going down. Sous l'ordre de qui? Ok, sous ton ordre. Wouah! Bourrine, les mecs! Est-ce que je suis repassé en ordre? Ah, oui, je suis pas mal. Là-dessus. Ok, c'est bon. Il y a personne. J'ai vu beaucoup de balles de mitraillette. Mitraillette qui n'est vraiment pas super bien comme arme, hein, franchement. Elle vise pas. Elle s'est pas visée, cette arme. Storm Drain Hatch. De l'armure. De la vie. Une entrée. Oxygène. Ah, il y a une autre entrée là-bas. Ah. Oh, des grenades, des chargeurs. Ouais. What? Ça, c'est une clôture électrique. Ça s'entend au bruit. Ah, ah. Oh merde. Ça s'entend au bruit. Eh oui. Comment je sais, c'est le bruit, c'est tout. Quand vous avez passé 3 ans à faire de vos grands-parents, à élever les vaches derrière une clôture qui faisait ce bruit-là, et que un jour vous touchez cette clôture, croyez-moi, vous savez qu'après ce bruit-là, ça veut dire clôture électrique. Et ouais, on est con quand on est gosse. C'est incroyable. On a pris les balles et on va pouvoir aller donc par ici. Tac. Access à cheese. Ah, ça doit être ça. Oh oh, oh oh. Ok. J'entends un truc. Je l'ai raté. Ramène-toi. Rigolez.
Ok, c'est une technique de lâche que je fais, mais bon, honnêtement, je... Qu'est-ce qu'il y a? Eh oh. Qu'est-ce qu'il y a? Coucou. Il arrive. Coucou. Coucou. C'est bon, on va régler le souci. C'est une technique tellement lâche que je viens de faire. Mais bon, j'avais pas d'autre solution. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On a beaucoup de grenades. Ah! Mine! Ok. Écoutez, c'est très pratique, hein, les crafts de tête. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les désactiver toutes celles qui me dérangent pour passer. Genre ça. Je pense que j'ai fait un petit peu de ménage là-bas. Qu'est-ce que t'as, toi? Hop! Tu restes au sol. Tu restes au sol, toi aussi. Et j'en ai marre, je... qu'est-ce qu'on a là-haut? Si. Petit peu de matos. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien du tout, j'imagine, non? Si, peut-être quelque chose. Ok, rien. Alors, il doit y avoir quelque chose là-bas, c'est obligé. Vous savez quoi? Hop! Voilà, ça c'est fait. Tu restes au sol, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Blah! Il me fait peur, lui. Blah. Blah. Tiens, 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 meurs. Hop! Oh, t'as eu de la chance. Peut-être en montant, là. Ah, oui, c'est ça. Hop! Et là, on peut descendre. C'est magique. Ok. Ah, bah, rentre. Et on retourne dans les sous-sols. Et j'aime pas les sous-sols. Et je comprends pas pourquoi on retourne... Ah oui, c'est vrai. On doit aller au Land d'accord. Land d'accord, ils ont une solution pour tout arranger. Et... je sais pas pourquoi il passe par là. À mon avis, il doit y avoir un plan défini. Ah, alors cette partie-là, mes chers amis, est une partie que j'affectionne tout particulièrement. Parce que elle est très impressionnante. Elle était vachement impressionnante dans Half-Life 1. Dans Half-Life tout court. Rien que ça, déjà, c'était classe. Et en plus, là maintenant, vous allez voir, c'est une partie qui se déroule à flanc de montagne. Et oui, on est en haut, enfin on est sur une falaise. Et donc c'est compliqué. Bam, Freeman is here. Tu te calmes, tu te calmes. Tu te calmes? Non, elle veut pas se calmer, visiblement. Ah là 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 là, les jeunes, bonjour. Voilà, merci. Cette partie-là est vraiment très sympathique, vous allez voir. Parce que... elle est pas très compliquée.
J'ai rien dit. Elle est assez compliquée. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'endroits pour se couvrir en fait.